Les premiers couacs, je les ai eus avec Youssouf Boundou Sylla, qui chaque fois, après réclame des papiers, vous met la pression, vous impose des choses quelquefois impossibles, mais qui après se révèle un vrai bosseur. Je pense qu'il mérite une mention spéciale, Youssouf Boundou Sylla. Je pense que voilà un cadre qui pourrait aider même au niveau de l'État. Vous avez, Makalé, travaillé à Guinée News, vous connaissez de quoi je parle. Je veux dire que c'est un meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui fait travailler le cadre le plus fainéant. Il te fait bosser et il obtient du résultat. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres cadres au sein de cette grande équipe. Mais moi, si je parle de Tam, je vois plutôt le côté social, affectif, qui évite quelquefois de vous blesser, qui comprend vos soucis. Mais Youssouf, c'est quelqu'un qui, coûte que coûte, veut avoir du résultat, qui vous oblige à trouver l'interlocuteur. Qui de là où il est, vous trouve un numéro, vous dit non, tu vas à tel lieu, tu vois tel, non, le papier est incomplet, non, les lecteurs vont nous dire, on dirait que c'est un gamin qui est là, qui a peur de tout le monde. Mais au finish, vous vous rendez compte qu'il y a un objectif visé, c'est une certaine crédibilité, c'est du bon boulot.